laver ma gloire vivante, nourrir ma parole vivante, pour me servir mon Dieu vivant, tout en moi l'été. Merci pour grâce. Apprendre au Père, bénis parole ça. Et permettre à ce que chaque petit qui la joigne une parole. Parole qui pour édifier. Parole qui pour libérer. Parole qui pour transformer. Et non va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien aimé, nous bénis nos Seigneur, nous dit bon Dieu merci pour grand jour ça. Le jour de triomphe, jour d'exaltation, jour de gloire, jour de victoire. Je dis à ces derniers jours dans l'année, dernier jour dans le mois, le Seigneur fait grâce nous là. Et ces premiers jours dans la semaine. Je dis à ces jours qui consacrés au salut des âmes perdues. S'il a qui poco rencontré avec Christos, s'il a qui poco fait la paix avec, et s'il a qui poco réconcilié avec bon Dieu. S'il a qui poco rentré dans la famille. Moi, c'est moi qui t'ai placé sous thème introspection. C'est moi. Côté le Seigneur t'a invité nous à l'évaluation, il t'a invité nous à l'auto-examen, il t'a invité nous à faire examen de conscience. À travers introspection, fournir j'ai gardé ça qui a passé en dans nous. Donc c'est une introspection, c'est entrer dans nous-mêmes, c'est ça psychologue aurait les psychologie introspective là, c'est rentrer dans nous-mêmes, nous-mêmes qui c'est spirituel, non pas psychologue, nous-mêmes nous entraînons une introspection spirituelle. Donc, lui-même, par nous, c'est une repentance sincère, c'est un examen de conscience. Côté conscience, nous, c'est un repère qui détermine qui cadre la vie nous comme chrétiens, qui guide nous. Qui a aidé nous marcher, qui a aidé nous dans la marche chrétienne. Nan. Le nous prend Lamentation 3:40 là, qui c'est Lamentation de Jérémie. Peuple a vécu une situation tête en bas à cause de désobéissance, yo, à cause de péché. Yo. Parce que mes bien-aimés, depuis qu'il y a péché, pas qu'à gagner la paix. Depuis qu'il y a péché, péché n'a pas prêté sans conséquence. Et on peut le voir ça à travers Somme 51 que nous pouvons le faire tirer à l'essouli. Donc, on n'est pas capable de vous empêcher, péché n'a pas prêté sans conséquence. Et c'est ça que fait, mon côté le rivé, il fait appel ça, appel à examen ça, appel à repentance ça, appel collectif là, il relève nation. Hein, pour yo ressaisir yo, pour yo garder qui j'en a peine bak yo, pour yo garder qui j'en vive, parce que ça y a vive là, c'est résultat péché yo. Et pour péché mes bien-aimés, ou pas capable nan coup de guidon, ou pas ka nan virer d'eau, ou pas ka nan a faire marronnage, parce que bon Dieu déjà wè yo, li déjà kon tout bagay. Donc, li invite yo à la repentance. Les inviter yo à ressaisir yo, à rentrer dans yo même, à examiner yo, à garder, à fournir, garder j'en a fonctionné. Est-ce que j'en a fonctionné à li correct? Et c'est ça qui mène mes bien-aimés repentance là, l'en garder, c'est premier pas vers la réconciliation avec Dieu. Ouais, repentance là, c'est premier pas vers réconciliation avec bon Dieu. Dès pour faire péché, ça veut dire que ou pas la donne, ou pas nan,
dans ses collés avec bon Dieu pas dans ses collés avec elle. Ça que depuis qu'il y a péché, depuis côté qu'il y a péché, faut gagner repentance. Parce que repentance, c'est un acte de sincérité que lié. C'est un acte d'humilité que lié. Côté où pral reconnaître à travers là acte ça qu'on pral reconnaître péché ou pral reconnaître manquement ou pral reconnaître bêtise ou pral reconnaître faux pas et qu'on pral exprimer désir pour changer. Ouais, c'est ça que fait yo considérer comme première étape vers la réconciliation avec Dieu. Parce que lui permet ou prend conscience. Ouais, lui permet ou fait examen de conscience là. Ouais, lui pral permet ou examiner état pécheur. Et du même coup besoin pour l'exprimer qu'on y a besoin pardon ou besoin qu'on y a là recevoir pardon. Et ça faut pral ouais. Repentance li plus que le simple fait de regretter ou regrette Zakoua. Zak côté fait dans passé ou regrette li repentance plus que ça. Parce que repentance c'est un profond changement intérieur que lié. Et c'est lui même qui pral mener nan à salut. Jodi a comprendre bien. N'a pas intercédé, nous pral prier pour ceux-là qui pas gen Jésus dans la vie yo. C'est ça où les âmes perdues, les enfants du diable. Et pas nous dit, c'est la Bible qui prête comme ça, parce que nous tous pas fait petit bon Dieu. Donc, moun sa yo, yo besoin rentrer dans yo-même, yo besoin poser premier acte ça. Yo besoin comprendre. Péché a, li pas arrêté sans conséquence. Li pas arrêté sans conséquence. Mais pour arriver là, mes bien-aimés, il y a un ensemble d'étapes. Pour arriver dans une repentance sincère, parce que le Jérémie invite le peuple là à faire repentance là, pour examiner, pour garder, j'ai appris un bac, pour examiner, j'ai appris vivre là. Mais il demande pour faire une repentance sincère. Pas de route, pas bois. Li mande yo pou yo fè yon repentance sincère parce que gen an pile moun mes bien-aimés qui montre yo repenti mais c'est bluff c'est ça qui fait gen la vraie repentance ou pral wèl nan changement qui opéré donc et ça fait nous prend nous même takou David à travers le psaume 51 li montre yo qui ça veut dire comment ou capable décharger en bas fado péché ça comment ou capable décharger ou de culpabilité ça comment ou capable descendre nous devant bon Dieu pour confesser péché ça parce que péché a mes bien-aimés nous dit ou les parités sans conséquence parce que péché a c'est toute action pensée ou bien attitude qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu ouais ou même qu'il a ou dehors jodi a ou a fonctionné ou di moi malaise moins bon janmier à côté mi en forme parce que ou a fait religion ou pensez que vinn joine bon Dieu ou pensez que salut a li gen awe à religion non li pa gen awe à religion pas gon question de côté mi bon son question de est-ce que ou en relation avec bon Dieu est-ce que Jésus-Christ c'est sauveur. Est-ce que Jésus-Christ, c'est sauveur? Donc, péché, à mes bien-aimés, c'est toute action, nous dit, c'est toute attitude qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Jodia, on a incrédulité. Jodia, on a rébellion. Parce que, ou pas accepté petit là que papa a voué. Pour réconcilier avec elle. Jodia, on a une situation où on a deux bon Dieu. Ou pas qu'on est bon Dieu. Ou à vivre, jodia, là, en tant que créature de Dieu. Son créature, bon Dieu, koye, ou poko la, bon Dieu, il nous crée, nous tous. Donc, ou nan catégorie créature. Ou poko nan catégorie petite. Parce que ou nan do bon Dieu. Ou nan rébellion, ou de yoa. Donc, c'est ça que fait nous dire. Péché a. Ou nan situation de péché. Donc, c'est toute action, toute pensée, ou bien toute attitude qui allait à l'encontre de volonté bon Dieu. Et qui côté péché a pris racine? Qui côté les autres prend racine dans le cœur?
et les manifester de différentes manières. Les vins fort tomber dans mensonge, les jalousie, et quand aujourd'hui à là, ou à regarder où est, ou dans convoitise, ou à faire colère, ou dans incrédulité, ou dans rébellion. Parce que ou pas voulez tendre parler de bon Dieu ou dit côté mieux à moins bon ou à faire religion ou à marcher ou à fonctionner j'en voulais ou parler j'en voulais ou faire sauver à corps parce que dit corps c'est pour corps c'est pour ou grand monde nous fait sauver avec donc ça c'est péché à ouais c'est ça qui prend racine dans cœur et il manifeste comme ça donc mes bien-aimés comprennent bien péché à l'éloigner de bon Dieu. Il faut camper loin, bon Dieu. Et il prive de présence. Li. Bon Dieu, ça qui saint, bon Dieu, ça qui pur, bon Dieu, ça qui sans tache, il n'est pas capable de tolérer saleté. Il n'est pas capable de tolérer crasse. Il n'est pas capable de tolérer un rien qui sale. Il n'est pas capable de tolérer mal. Et ça fait dans la Bible, apôtre là, il pral montrer nous, dans Romain, il pral enseigner que tout le monde, il dit nous, tout le monde pécheur. Et nous besoin de grâce, bon Dieu. Tout monde pécheur et nous besoin de grâce, bon Dieu. Nous tous péchés et nous privés de gloire, bon Dieu. Romains 3, 23. Donc c'est peut-être ça, salut, hein? Pour accéder à salut, il passe nécessairement, mes bien-aimés, par la repentance. Alléluia. Donc pour m'arriver à délivrance, il faut passer par chemin ça, le chemin de la repentance, qui pourra permettre moi de joindre pardon. Et qui permet moi réconcilier avec bon Dieu. Zak pour un psalmiste, ou David, lorsque il péchait mes bien-aimés, il posait, il commet péché avec Bathsheba. Au fait, t'as checké avec elle. Même côté là, monsieur plongé sous ventre et ça pousse elle à écrire Psaume 51. Son texte remarquable. À beauté, à profondeur, somme ça, mes bien-aimés, c'est très remarquable. Et on peut le voir ça. Nous sommes capables de constater que, à travers le Psaume 51, il montre nous le processus de repentance, mes bien-aimés. Et le processus de repentance, il est fait par degrés. Alléluia. Et c'est même genre, David montre nous ça, oui. Repentance, il est fait par degrés. Et on peut le voir. Ce n'est pas une question de. Poum, tout boum, c'est d'eau. Et c'est qu'on s'allouer pour nous chaque qui là. Et nous même captant des mains. Et si là, yo qui n'a mis tant là, qui pour qu'on gagne Christ dans la vie, yo, les doué comme ça pour nous. Parce que l'âme brisée émerge, mes bien-aimés, des profondeurs ténébreuses pour se hisser lentement aux marches du pardon qui vont de nouveau la baigner de lumière. Et c'est ça qui pourra le permettre nous, à travers le Psaume 51, ou pourra le étape qui pour mener dans la vraie repentance, là, mes bien-aimés. Parce que se repentir sincèrement et en profondeur pour faire ça. Parce que la repentance, ce n'est pas simplement, nous dit, un sentiment de regret ou de remords. Là, aller plus loin que ça. Premier bagage, Salmi Sambral dit, ou pourra le joindre dans verset 3 à 5 ans. Parce que le péché est d'abord jugé. C'est-à-dire reconnu pleinement devant Dieu. Côté psalmiste, on va dire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Tendons parole. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous entendez? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mes bien-aimés. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Donc, le péché est d'abord jugé, c'est-à-dire, il faut qu'on reconnaisse le péché devant mon Dieu. Il faut reconnaître le péché. Il faut reconnaître ou faire transgression. Il faut reconnaître ou blesser. Il faut reconnaître ou faire mauvais bagage. Il faut reconnaître ou poser mauvais action. Il faut reconnaître ou dans le bon Dieu. Pas gain ou pas boire la dedans. Je reconnais mes transgressions. Si pas gain aveu. Si pas gain aveu ou pas arrivé à pardon mes bien-aimés faut que repentance là li sincère c'est pas moun ki pou di le pour et ça faut ouais prophète Jérémie li invite peuple di peuple en garder en nous garder il pas retirer tête non li dit en nous c'est nous toutes
de pour péché mes bien-aimés ou pas gain route pas bois en nous garder je n'a mené back nous comment conduite nous comment comportement nous yé et puis il dit examiner gens à vivre là donc premier bagage nous dit c'est péché à lui d'abord juger parce que faut qu'on reconnaître lui publiquement et c'est ça l'important mes bien-aimés et pour nous souligner que repentance là il pas limité à un acte ponctuel et ça fait li doué un processus continu donc c'est pas on grain jour là pour faire les pour fini non on aller ça des pour premier bagage nous jeune dans verset 3 5 là Salmi ça continue toujours pour dire le nous prend verset 9 là parce que coupable là mes bien-aimés deuxième étape là c'est que le coupable li implorer pardon li implorer pardon offense là et qu'on a li pral mander purification péché a parce que au verset 9 psaume 51 psalmiste l'a dit David dit purifie-moi avec l'hysope attendez oui et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront mes bien-aimés donc coupable là je dis a c'est pas moi qui pral faire le bout. C'est ou même comme coupable. C'est ou même qui dans situation de culpabilité. C'est ou même qui pour implorer pardon, offense là. C'est pour même qui pour paraître devant mon Dieu avec bouche pas. Ça fait le doux dans 1 Jean 1 9 là. Si ou confesse péché ou à bouche ou, les fidèles, hein, les justes pour le pardonner ou. Et ou même ou pral mandé purification. Faut mandé purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est pas monde qui peut demander ça. Pour ça que prophète Jérémie dit peuple là, en nous garder, j'en ai mené back nous. Et puis c'est là fin fait ça, là fin examiner gens vivre tout n'est les fini, tout n'est venir mon Dieu. Donc faut confesser le coupable implore le pardon de l'offense et demande la purification de son péché. Deuxième bagaille, David montre nous dans le processus de repentance. Là. Donc, coupable, il faut l'implorer pardon. Il faut commander. Il faut commander. Après qu'on finisse avouer, qu'on a faut demander son besoin. Il faut implorer pardon. Parce que vous exprimez, Isaac nous dit, chaque jour, mes bien-aimés, on fait face. Et chaque jour, nous péchons. À chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Ou péché. Et nous toujours besoin de grâce, bon Dieu. Nous toujours besoin de faveur, bon Dieu. Nous toujours besoin de pardon. Nous toujours besoin de purifier. Parce que nous besoin d'avancer, nous besoin de grandir. Et ça fait le Seigneur porter pour nous introspection en un mois ça. Parce que nous besoin de démarrer année tout neuf ça qu'on peut rentrer là-dedans, nous besoin de démarrer sur de nouvelles bases. Ou pas voulez démarrer là avec aucun blocage, ou pas voulez démarrer avec aucun crasse, ou pas voulez démarrer avec aucun saleté pour venir bloquer qu'on y a là démarrage ou pour venir bloquer qu'on y a là manifestation de la bon Dieu. Non. Et ça fait les inviter à faire introspection ça. Il invite à rentrer dans vous-même, à fournir garder en dedans, à fournir garder tête ou ka pa gen moun ki ka fèl pou ou, pa gen moun ki konnen ou, pa gen moun ki ka di ou ki jan ye, se ou seulement ki konnen ki jan a fonksyone, se ou seulement konnen ki jan a viv, se ou konnen ki so a fè ak tèt ou, se ou konnen ki so pose kom aksyon. Moun pa konnen, men ou men mou konnen. E sa k fè, se ou pou fèl. Sa mi sandou, purifie moi avec l'hysope et je serai pur. La continue pou l'di, au verset 12, an nou gade ki sa l'di. L'elfin mandé, l'elfin implorer pardon, il reconnaît qu'il est coupable. Et il mandé qu'on y a purification. On garde pour la troisième étape là. Qui ça le dit? Dans verset 12 là. Psaume 51, verset 12. Qui ça le dit? Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Vous entendez? Alléluia. Merci Seigneur. Vous entendez? Expérience purification qui côté le mené. Expérience purification mené, mes bien-aimés. Li mené
coupable là une autre fois encore vers le chemin de la vérité. Ouais. Parce que l'idou crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Là, mes bien-aimés. C'est vérité. Vérité. Expérience purifiée. L'eau purifiée, les mène dans le chemin vérité. Et ça fait l'eau purifiée. Ou pas capable de retomber dans la même bêtise là. L'homme ou purifié, ou pas capable, mes bien-aimés, à marcher dans menti. C'est péché qu'il faut marcher dans menti. C'est péché qu'il faut tomber dans jalousie. C'est péché qu'il faut marcher dans convoitise. L'homme fin dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est mettre le menéon sous chemin vérité. Donc, troisième étape là, c'est que, après qu'on finit expérimenter la purification, donc, encore une fois, ou monter coupable qu'on y est, eh bien, ou monter sous chemin vérité. Et Salmis, non, David a continué. Au verset 14, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Meni, au verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Meni, mes bien-aimés. C'est que la joie du Saint-Esprit, l'offine purifiée, eh bien, qui ça le fait? Il vient de nouveau habiter repentant. Parce que ça que fait Salmis, non? Il courit dit, mon Dieu, pas retenir l'esprit où tu es moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Parce que les conscients, sans lui-même, il n'est pas en rien. Sans lui-même, ou pas qu'à faire en rien. Et ça fait gon paquet de monde ou là c'est show off y a fait. Gon paquet de monde là, c'est impression y a ba ou que yo gen Saint-Esprit. Saint-Esprit pas dans yo. Yo gen installation hein, mais Saint-Esprit pas activé. Saint-Esprit pas activé parce que yo attristé. Donc y a manifesté la chair, y a manifesté. Y a créé spectacle. Donc c'est pas Saint-Esprit qui à l'œuvre parce que Saint-Esprit pas actif dans la vie moun sa yo, vu Jean que moun sa yo a vive. Donc cet esprit pas capable mêler la installation là, c'est vrai, mais c'est show off y a fait, c'est sous bluff yo yé, c'est impression y a baou que yo rempli, c'est impression y a baou que cet esprit a l'œuvre dans la vie. Non. Cet esprit li marche dans vérité. Cet esprit habite côté qui propre. Cet esprit habite côté qui sanctifié. Li habite côté qui consacré, li pa habite côté ka patogé nan péché, nan saleté, nan de l'eau sale. Non. Et ça fois Samis a couri dit ne me retire pas ton esprit saint. Li fait bêtise là, c'est vrai. Donc li descend devant mon Dieu pour le faire confession sincère ça. Crée en moi un cœur pur parce que mes bien-aimés, après qu'on fin expérimenter purification, eh bien, ou après l'expérimenter la joie du Saint-Esprit. Joie Saint-Esprit vient habiter à nouveau en tant que pécheur repentant. Alléluia. La continue pour d'où? Au verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Autant de responsabilité. Autant de ça le prend parce que le pardon, ça le fait. Cinquième étape là, le pardon amène, alléluia, le repentant, lui amène l'esprit de témoignage et de service. Lui mène à témoigner, leur pardonner, lui mène à dire ça, bon Dieu, fait, à mes bien-aimés. Ou animé de l'esprit de témoignage, ou animé de l'esprit de service, alléluia. Et ça fait des pour clean devant bon Dieu, ou pas qu'arrêter en paix, ou pas qu'arrêter en silence, ou pas qu'arrêter inactif. Faut parler, faut bouger. Parce que ou clean, la paix bon Dieu avec vous. Donc le pardon amène l'esprit de témoignage et de service. Ça fait d'où j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Parce que c'est monde qui passe maladie qui connerait merde. La paix bon Dieu avec vous. Si m pa péché m pa ka konn la douceur du pardon, faut me pécher pour me connaître douceur pardon mes bien-aimés, faut me repentir pour me consacrer le pardon, et ça fait l'aime consacrer le pardon ka parle de pardon. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Jodi a si ou moun pa prier pour moi hier, jodi a m pa tap samye a, et ça fait m pa ka kite ou derrière
ou même qui de yo aujourd'hui a, ou même cap erré, ou même cap fait religion, ou même qui animé par l'esprit de religiosité, m pa cap quitte de yo sans que m pa autour devant le trône, sans que m pa intercéder pour salut nan mon, m pa ka quitte de yo comme ça parce que m'obligé dire ça bon Dieu fait pour moi, yèm té dans saleté, yèm té dans bêtise, yèm té dans fait noir, mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce, Saint-Esprit convainc moi, il fait moi et âme et je dis à mes moi. Je dis à mes moi. Il pardonner parce que il t'a dit me vienne joindre Jean-Mié. M'ai pas fait philosophie, m'ai pas fait philosophie, m'ai pas tenu compte de rien mes bien-aimés, moi porter tête moi, j'aime te et puis seulement lui-même ça le fait. Il mettait mon état. C'est lui qui déshabillait. C'est lui qui nettoyait, c'est lui qui referme, et puis il mettait robe par là sous moi, qui fait de moi Sami aujourd'hui. Alléluia. C'est parce que nous t'ai confessé. Et Sami, ça continue pour le dos. Dans le sixième pas, mes bien-aimés, parce que, pardon, hein, il peut le mener, reconnaissance, cœur hein, et adoration. Au Dieu de mon salut, verset 16, en nous continuant. Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Pas oublier, moi te dis, mais bien aimé, repentance là, n'est pas seulement un sentiment de regret ou de remords, mais son décision consciente liée, mais bien aimé, pas oublier, nous te dis ça, pour changer façon à vivre. C'est ça qui fait l'impliquer une reconnaissance. Li implique une reconnaissance. Donc, reconnaître péché ya, et ou mande bon Dieu pardon. Ouais, il dit, oh Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Donc, le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Donc, faut faire ça, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, ça peut le permettre tout, prendre des mesures concrètes. Pour pas qu'on y a là, pour pas commettre même bêtise encore. Pour pas retomber dans même péché encore. Alléluia. Délivre-moi du sang. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Donc le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Et mes bien-aimés, pour regarder, dernière étape là, que Psalmiste a montré, que David montre nous là, dans le processus repentance. Non? Il dit où, au verset 20, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtit les murs de Jérusalem. Alléluia. Donc, le repentant, mes bien-aimés, est réhabilité et retrouve la communion avec Dieu. L'offre fait tout ça, yo. Repentant, qu'on y a réhabilité. Le ou même ou de yo à la, ou péché, ou reconnaître ça, bon Dieu a mis yo en dedans. Ou à rejoindre, ou même qui t'es en dedans, ou péché, ou font bêtise, eh bien, c'est pour repentir, c'est pour confesser, et ou à réhabiliter, et ou à rejoindre communion avec bon Dieu. Ça veut dire, répand par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Mais bien-aimés, Zamim, ou même Captain Demla, c'est peut-être premier jour, c'est peut-être pour la première fois que vous attendez, ou bien vous habituez Tandem déjà. Mais ça c'est pour. Même Jean avec David, criez by bon Dieu, Jodia, humilié au devant face li. David, c'était un homme selon que bon Dieu. Et où est à travers, Somme 51, li pas ton homme parfait. C'était un pécheur tant que tout le monde, qui te commet en pile bêtise. Mais il te joint une force pour te descendre devant bon Dieu, pour te faire une confession sincère, pour te faire une repentance sincère, pour te capable de joindre cœur pur ça. Pour être capable de sanctifier et pour être capable entièrement renouveler. Je dis à ou même tout, ou capable de faire. Ou même tout, ou capable de mettre dans la peau de David là pour suivre même étape ça. Parce que la repentance, ce n'est pas un acte. Non, c'est une attitude. Son attitude qu'il faut passer des ténèbres à la lumière. C'est ça que fait, ce n'est pas un acte ou qu'à considérer comme un acte. Mais son attitude. Cap retire ou nan fè noir koto ye a pour mettre ou nan lumière. Pas privé aujourd'hui de grâce ça. Pas privé ou
de faveur ça que bon Dieu voyez pour vous. Dans petite là Jésus-Christ. Car la repentance, mes bien-aimés, li concerne tout le monde. Li concerne tout chrétien, nouveau comme ancien converti. Et même gens ou même tout, je dis à qui dehors. Pour arriver à accéder à salut, pour arriver à accéder à délivrance, pour arriver à sauver, faut qu'on pose pas ça, faut faire pas ça, faut faire pas ça pour capable réconcilier avec bon Dieu. Donc, je dis à, sous tant de voiles, pas fait être aide, pas en Dieu si cœur, pas fait qu'elle dit, quittez Saint-Esprit touché au, et ou même, fait pas, mon Dieu a fait reste là. Que le Seigneur bénisse abondamment. Que le gardez au, que faut grâce pour capable avancer. Que faut grâce pour entrer dans la famille mon Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire amen. À Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.